Les gendarmes vont encercler le pavillon. Côté jardin, afin d'éviter toute fuite. Et côté rue, pour bloquer la porte principale. Gendarmerie, dépêchez-vous d'ouvrir! Gendarmerie, dépêchez-vous! Il ouvre. Attention les gars, ça ouvre. Douce. On y va. Allez, toi! Reculez, monsieur, reculez! La gendarmerie, reculez! Aussi, allez, escalier à droite! Allez, cet homme, le père, n'intéresse pas les gendarmes. Leur cible, son fils de 18 ans. À plat ventre, montre-toi notre main. Ok, tu bouges pas. C'est bon, c'est serré. Objectif interpellé. Ok, il y a des enquêteurs qui vont venir. Ils vont t'expliquer pourquoi on vient te chercher ce matin. Dimitri prend en charge ce membre de la bande, car d'après son enquête, il serait un des plus actifs. Donc on vient te chercher parce que t'as fait quelques conneries. Le gendarme veut profiter du choc de l'intervention pour tenter de le faire avouer tout de suite. Je vais te notifier ta mesure. Donc on va effectuer une perquisition à ton domicile, notamment ta chambre, d'accord? T'as des objets qui proviennent de Cambrio ou pas? Oui? Voilà, on va établir une relation de confiance, c'est pas besoin de perdre du temps. Si tu veux me dire les endroits, ça évitera de... Ici. Premier aveu, première preuve, un petit baladeur d'une centaine d'euros. Où ça? Provient d'où celui-là? Ouais. Dimitri passe la chambre au peigne fin et il fait découverte sur découverte. Encore un baladeur. Celui-là aussi. Des parfums, une façade d'autoradio et même une bouteille de whisky qui pourrait provenir du casse de la supérette. Sans doute. Une paire de gants usagés, bien pratique pour ne laisser aucune empreinte. Et plus inquiétant, un pistolet à air comprimé qui fait plus vrai que nature. Ça peut servir notamment dans le cadre de vols à main armée. Une personne non avisée peut croire que c'est une vraie arme. Autre chose à déclarer ? Dimitri a bien préparé sa perquisition. Il s'est fait une liste de tous les objets dérobés. Il a assez des babioles. Maintenant, il voudrait dénicher du lourd. Des bijoux, t'as des bijoux? Non. Ils sont où, les bijoux? J'ai pas de bijoux. Ils sont où? J'ai pas de bijoux. Des bijoux. Ils sont où, les bijoux? Mais j'en ai pas. Écoute bien ce que je te dis. La seule chose qui peut que tu n'ailles pas en prison, c'est ça. Que tu assumes tes responsabilités et que tu me dises tout, exactement tout ce que tu as fait et les objets où ils sont. Notamment les bijoux. C'est la seule chose qui peut ne pas te faire rentrer en prison. Le jeune homme est-il sincère? Dimitri ne désarme pas. Il s'attaque au linge de maison, une planque traditionnelle pour les valeurs. Et là, bingo! Ah, ben voilà! Ben c'est un bijou en or. Et les clés d'un véhicule Corsa, les 20 euros, qui sont dissimulés comme ça, sous un drap. Faut pas commencer à me prendre pour un idiot, d'accord? Parce que ça va pas aller entre nous. Je te le dis de suite. Je t'ai demandé tout à l'heure s'il y avait d'autres objets, tu m'as dit non. Je pense que t'es dans une situation où vaut mieux pas mentir, au départ. Belle prise. La chaîne en or fait bien partie du listing de Dimitri. En revanche, il n'a pas encore été signalé d'Opel Corsa volé. La clé, elle vient d'où? Une maison que tu as fait hier? Hier, c'était dimanche. La bande ne s'accorde aucun répit. Elle casse même les jours fériés. Est-ce que ça vous appartient? En tout, le gendarme met la main sur une dizaine d'objets. Et à nouveau, ce sont les parents qui vont tomber de très haut. Ils sont complètement désemparés. Depuis quelque temps, leur fils unique était devenu un mystère pour eux. Il rentre vers quelle heure? Mais je sais pas. Il dort chez les copains. Depuis le jour de ses 18 ans, il n'existe plus. Il ne mange même plus avec nous. On le voit plus. On le voit plus. D'accord. Il rentre pour dormir, parce qu'il rentre, il rentre le soir, nous on dort déjà. Vous connaissez ses collègues, ses fréquentations? Le grand malheur, c'est ça. Vous connaissez pas? Je devrais même pas un copain, même pas... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Le
le faire travailler, bon, c'est quasi impossible. Incompréhensible. Il manque de rien. C'est ce que je lui dis. Il n'a pas l'air de vivre dans la pauvreté ou dans le malheur. Je sais pas. Il a besoin de quelque chose. Il est là. C'est pas forcément par nécessité. Il faut l'encaisser. Ça fait mal. Ça fait mal. Le suspect étant majeur, il est seul responsable de ses actes. Il risque donc de la prison pour ses forfaits.